Ajax. Bonjour, les deux Ajax. L'eau est-elle bonne ce matin, bouillante Achille? Je ne sais pas. Vous n'avez pas pris votre bain? Non, je ne l'aime pas, moi, cette plage de Tropolis. Elle a été adoptée par le grand monde, mais on y est très mal pour s'y baigner. Pas de sable, tout galé? Ah, ça ne doit pas vous aller. Pourquoi ça? À cause de votre talon. Mon talon, toujours mon talon. Mêlons-nous à la foule et écoutons sans en avoir l'air. Quoi de nouveau dans Tropolis? Pas mal de maris qui ont quitté leur femme. Hey. Pas mal de femmes qui ont quitté leur mari. Vous entendez? Parthénis a pris 3 amoureux à l'Héléna. Héléna en a pris 4 à Parthénis. Tu m'en dois un alors? Si tu le veux tout de suite, je t'offre le bouillon d'Achille. Oh non, non, non merci. Pourquoi ça? Les femmes, les maris, Parthénis, l'Héléna, galanterie sur galanterie. C'est la vengeance de Vénus. Et ça ne s'arrêtera que lorsque nous aurons pris un parti. Il faut absolument que je parle au roi Ménélas. Quelle idée la reine a-t-elle eue de venir aux bonnes mères avant l'époque habituelle? C'est afin de se remettre. Elle en avait besoin après la terrible scène d'il y a 8 jours. Et puis, le séjour de Sparte lui est devenu insupportable depuis le départ de Paris. Est-il vraiment parti? Certainement. Alors, il a renoncé? À quoi? Oh, si nous avions été à sa place, n'est-ce pas, Ajax IIe? Pas fâché, moi, qu'il ait décampé. En voilà un qui me déplaisait. Pas à moi, ni à moi. Affaire de pressentiment. Cet homme-là me tuerait un jour, que ça ne m'étonnerait pas. Et qu'est-ce qu'il dit tout cela, le roi Ménélas? Mon oncle? Il ne dit rien, mon oncle. Mais c'est ma tante qui n'est pas contente. Chut! La voilà, avec le roi Ménélas. Le roi Ménélas? Ah, le cadre, le gêneur! Madame! Je suis venue à Troupolis pour tâcher d'oublier. J'y suis venue pour me distraire en me promenant au bord de la mer. Mais s'il n'était pas entré dans mon programme, que vous vous promèneriez avec moi et que je ne pourrais faire un pas sans avoir près de moi cette figure. Voyez-la, cette figure, voyez-la. M'entendez-vous, roi Ménélas? Comprenez-vous que vous m'agacez, que vous m'excédez, que vous m'horripilez? Oh, si je ne me retenais! Princesse, noble reine. Oh, c'est que vous ne savez pas comme il est insupportable. Ah, oh, vous ne pouvez pas le savoir. Je veux une explication. On me la refuse depuis assez longtemps. Il me la faut aujourd'hui à l'instant même. De quoi m'accusez-vous, enfin? De ne pas m'avoir expliqué le sens de votre phrase. Oh, mais alors, ce n'était donc pas un rêve. Eh bien, je vais répondre. Non, après, je ne suis pas coupable. Et ma foi, je n'y comprends rien. Il était adorable, roi des rois, ce prince troyen. De Vénus, il était l'élève, et cependant, j'ai résisté. Il se plaint si fort pour un rêve, il se plaint si fort pour un rêve. Que dirait-il, mon Dieu, pour la réalité? Dirait-il, mon Dieu, pour la réalité? Que dirait-il? Que dirait-il? Que dirait-il pour la réalité? Il se plaint, il se plaint, il se plaint, il se plaint. Je lutte avec beaucoup de peine. Songez-y, ne m'agacez pas. Vous êtes le mari d'Hélène. Je vous ferai crier pour la réalité. Oui, vous crierez, oui, vous crierez, oui, vous crierez pour la réalité. Il se plaint, il se plaint, il se plaint, il se plaint. Et c'est pour avoir cette explication-là que j'ai attendu 8 jours. Eh bien, roi Ménélas? Eh bien, monsieur mon frère, c'est pour garder une femme qui vous traite ainsi que vous hésitez à sauver votre pays? Et de quoi le sauver? Du terrible fléau que Vénus a déchaîné sur la Grèce entière. La déesse a mis dans l'air des émanations subtiles qui font que les maris quittent leurs femmes et que les femmes quittent leurs maris.
Tous ne succombent pas, mais tous en sont frappés. C'est ainsi que Vénus se venge. Et pourquoi se venge-t-elle? Oui, pourquoi se venge-t-elle, roi Ménélas? Est-ce que je sais, moi? Elle se venge parce que vous l'avez contrariée. Parbleu! Il aurait été agréable que ce Paris fût aimé de ma femme. Je m'y suis opposé. J'ai fait chasser ce Paris et j'ai bien fait. Et vous avez bien fait comme homme, possible, mais pas comme roi. Le mari doit s'effacer devant le monarque. Vous voyez ce qui en résulte pour vos sujets? C'est une débâcle générale. Lorsque la Grèce est un chant de carnage, quand on immole les maris, tu vis heureux au sein de ton ménage, au sein de ton ménage. Tu te fiches pas mal de ton pays, tu te fiches pas mal de ton pays. Voyez pourtant ce qui se passe. L'épouse à son tour, de l'époux déserte l'amour. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Que voulez-vous que j'y fasse? Lorsque la Grèce est un champ de carnage, passeront les temps présents. En avenir, je vois la longue file des successeurs de Ménélas. On les comptera par cent mille. On les comptera par cent mille. Si vous ne vous décidez pas à nous tirer tous d'embarras, allons s'en dépêcher, sa presse. Regardez l'état de la Grèce. C'est une immense bacchanale, et Vénus, Astarté anime la ronde infernale, tous tes plaisirs et voluptés, vertu, devoir, honneur, morale, par le flot t'es emporté. Tu comprends que ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends que ça ne peut pas durer plus longtemps. Au lieu de mimer la pyrrhique qu'autrefois on nous enseigna, dans ce noble, dans ce classique, en tout lieu maintenant voilà qu'on danse une danse excentrique et sans mot qui ressemble à ça. Tu comprends que ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends que ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends que ça ne peut pas durer plus longtemps. Subir, subir la loi, il faut subir, subir la loi, immole-toi, immole-toi. Il chansonne. Selle, selle. Il frissonne. Sonne, sonne. À peine il respire. Tiens, le voilà qui parle anglais. Aux gens humains, il faut rendre service. Immole-toi quand tu devrais souffrir. Sauvera par ce beau sacrifice les Ménélas de l'avenir. Aux gens humains, il faut rendre service. M'immole et non, ça me ferait souffrir. Pourquoi faut-il que ce soit moi? Son mari devrait lui suffire. Il blasphème dans son délire. Il blasphème dans son délire. Il blasphème.
Ah, mais il y avait un autre moyen d'apaiser la déesse. Un autre moyen? Oui. Écoutez, j'ai fait une démarche. Je ne sais comment dire. Je connais Calcas, il va bondir. Et pourquoi bondirais-je? J'ai écrit à Cythère. Oh, farceur! Il n'y a pas de farce là-dedans. J'ai écrit à Cythère. Vous allez voir, il va bondir. Et j'ai prié qu'on m'expédiate ici le grand augure de Vénus. Un autre grand augure? La concurrence alors? La liberté des augures? Quand je le disais... C'est vrai, ma foi, il bondit. Quand vous aurez suffisamment bondi, Calcas, vous vous tiendrez tranquille. Il y a du bon dans l'idée de mon beau-frère. Il faut voir ce que cela donnera. Un autre grand augure? Et quand doit-il arriver, le grand augure de Vénus? Si les vents ne sont pas contraires, il doit arriver dans ce moment même. Par ici! Par ici! C'est ici qu'elle doit aborder. La voici, la voici. La galère? Oui, oui, une galère merveilleuse. Avec des voiles roses, et à l'arrière le pavillon de Cythère. Elle amène le grand augure de Vénus, et vous allez tous à ses pieds implorer le pardon de la déesse. Sachez le bien, je n'ai pas l'habitude d'être reçu sur un rythme plaintif. Vous auriez dû chanter un cœur alerte et vif. Le règne de Vénus est un règne joyeux. La 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 la
tenue pour un augure. Vous dites, confrère. Je dis, quelle tenue pour un augure. Je suis gai, roi des rois, bouillant Achille, les deux Ajax. En reste, salut et respect. Et la reine, je ne vois pas la reine. Elle boude. Ah, c'est vous, belle Parthénis. Vous aussi, piquante Léna. Vous savez nos noms? Un bon général connaît toujours ses meilleurs soldats. Vous êtes vraiment gai, grand augure. Ça nous est recommandé à Cythère. Soyez tranquilles, mes enfants. Vénus est bonne personne, au fond. Elle vous pardonnera. Vive l'aventure! Elle vous pardonnera, bien entendu, à la condition que le roi Ménélas fera tout ce qu'il faudra faire. Pourquoi ça? C'est la règle. Sans doute, mais si cependant... Il n'y a pas de cependant. N'ayez pas peur, on ne vous demandera rien que de très raisonnable. La reine sera seulement tenue de faire un petit voyage. Où ça? À une dizaine de lieues d'ici, une petite île qui est là-bas, à Cythère. Oh, je la connais, la reine. Elle est bien trop bavarde pour Cythère. À Cythère? Oui, elle viendra avec moi sur la galère de Vénus. Et de sa main, elle sacrifiera 100 génisses blanches à la déesse. À la bonne heure. Quand on me demande des choses raisonnables, qu'est-ce que je désire, moi? Que tout s'arrange. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Que la reine fasse un petit voyage à Cythère et sacrifie 100 génisses blanches. Rien de mieux. La reine fera ce voyage. Et c'est mon peuple qui payera les génisses blanches. Vive Léas! Oui, mes enfants, vous les payerez. Très joli, tout ça. Mais il faudra que la reine consente. Mais où est-elle donc, la reine? La voici. Elle vient, c'est elle. Elle vient, la voici. Mon Dieu, qu'elle est belle, malgré son souci. Elle vient, c'est elle. Elle vient, la voici. Mon Dieu, qu'elle est belle, malgré son souci. Quels accents se sont fait entendre qu'il ne m'était pas inconnu. La grande augure de Vénus, à Cythère, à Cythère, il faudrait vous rendre. Pour plaire à la déesse et calmer son courroux. La force vient de vous. Laissez-moi, laissez-moi. Je vais lui parler. Oui, parlez-lui sans plus attendre. Mais que lui direz-vous? Mais que lui direz-vous? Les dieux. Celui qui t'adore, Paris le berger naïf. As-tu refusé encore de monter sur mon esquif? Non, l'honneur m'attache au rivage. Mais à mon autorité, ce n'est qu'un tout petit voyage. C'est les voyageurs pour Cythère et le train va partir. Ma foi, partons pour Cythère, retour pour Cythère, retour pour Cythère. Ça leur fait plaisir, mais ça leur fait plaisir. Par pour Cythère, par pour Cythère, par pour Cythère, par par par. Par pour Cythère, par pour Cythère, que rien ne t'arrête. Par 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 par. Par pour Cythère, par pour Cythère, par pour Cythère, par par par. Par pour Cythère, par pour Cythère, par 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 par. Par pour Cythère, par pour Cythère, par pour Cythère, par par par. Par pour Cythère, par pour Cythère, que rien ne t'arrête. Ne la
n'attend plus, roi Ménélas. J'emporte Hélène, elle est à moi.